Hey, salut tout le monde, c'est Xoki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Aujourd'hui, pas mal de choses à vous dire. Bon, pas tant que ça. Mais déjà, nouvel overlay pour Yu-Gi-Oh! Donc un overlay, bon, j'ai enlevé Yugi, j'ai rajouté mon lien Twitter, enfin, mon at Twitter. J'ai fait de la promotion pour mon sponsor, et je vous invite à mettre des likes sur les vidéos, puisque ça me fait plaisir, et que ça m'aide, et ça aide la chaîne à grandir. Et d'ailleurs, du coup, chose la plus importante pour vous, déjà, c'est que peut-être, je crois qu'il y a un petit... Je crois que mon micro n'est pas... Ah si, non, j'ai rien dit, je croyais que mon micro n'était pas assez fort, mais c'est moi qui parle pas assez fort. Autre chose qui va vous aider, et que vous me demandez depuis un moment, c'est que, sur l'overlay, à chaque fois, je ne mettais pas assez de place pour mettre la recette d'un deck. Par exemple, en live, des dizaines de gens me demandent « Montre-nous ton deck après ces duels !» Bon, vous avez... Je dis pas que vous avez tort, mais des fois, pour moi, ça doit être c'est chiant, puisque j'aimerais bien jouer. Donc, je montre le deck, et 10 minutes après, il y en a un qui arrive, et bon, bref, compliqué. Donc, du coup, voilà, au moins, là, je pourrais mettre les recettes de deck. Donc, aujourd'hui, l'important, ce n'est pas l'overlay, ce n'est pas moi, mais c'est surtout un nouveau booster qui est sorti sur Yu-Gi-Oh! Duel Links, qui s'appelle Valkyrie's Rage. Et on le voit d'ailleurs, ce nouveau paquet qui est ici. Non, ça c'était les ballons de Akaiba Corp. Enfin, du magasin. Donc Valkyrie Rage, qui est le cinquième booster, on va dire déjà. Cinquième booster sorti sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Et c'est la troisième box principale, puisque... on a des mini box, je veux dire, qui sont Flame of the Tyrant et Age of Discovery, qui sont des mini box, et Valkyrie Rage est une grosse box, c'est une box normale, donc il y aura pas mal d'ultra rares. Donc dans une mini box on a 2 ultra, alors que là on en a 10, on a beaucoup plus de super rares, on en a 12, c'est marqué 24, mais c'est parce qu'il y en a 2 fois de chaque. Je pense qu'on va beaucoup me demander mon avis sur cette extension. Je vais faire une vidéo par rapport à ça, mais voilà, si vous voulez avoir un petit peu mon avis vite fait, en une phrase, c'est que cette extension est moyenne. J'ai envie de dire moyenne, puisque on a quelques supports qui sont... Enfin, des staples plutôt. Donc des cartes qu'on peut mettre dans pas mal de decks. Je parle notamment du Seigneur d'Extermination. Mais on n'a pas un nouvel archétype qui ressort. Oui, on a un nouvel archétype qui sont les spirits. Mais ça ne va pas être un archétype fort, mais je vais quand même le tester. Donc, aujourd'hui, vous voyez que j'ai 8290 gemmes. Donc, avant que vous me demandiez « Comment t'as fait pour avoir autant de gemmes ?» Eh bien, j'ai passé tous mes personnages au niveau 30. Donc, là, je suis assez content. Donc, je suis prêt pour la prochaine mise à jour de Yu-Gi-Oh! Duel Links lundi, qui va nous permettre de monter les personnages niveau 35. Et du coup, c'est ce qui m'a permis d'avoir pas mal de gemmes, et surtout que j'économise mes gemmes depuis un mois. Une semaine après la sortie de Flame of the Tyrant, et en plus avec tous les events de la Kaiba Corp, le nouveau paquet qui sont sortis, ils nous ont offert plein de gemmes, donc du coup, j'ai pu me faire des couilles en gemmes. Donc, je ne vais pas toutes les dépenser aujourd'hui, puisque je vais quand même en garder de côté, mais on va ouvrir 100 paquets, oui. Une moitié de boîte de Valkyrie's Rage. Je sais pas si je vais reroll, puisque bon, j'aimerais bien avoir pas mal de ces cartes. Est-ce qu'il y en a par ici? Est-ce qu'il y a des cartes ici qui me seraient, dans les ultra rares, qui me seraient utiles en plusieurs exemplaires? Colère divine, je pense en avoir besoin que d'une. Délivrance de la dimension des ténèbres, 2, voire 3, ça peut être bien. Seigneur de l'extermination, 1 ou 2, ça peut être bien. Bourse des âmes, c'est une carte. Bon, je pense que j'en mettrai quand même deux, c'est très fort. Dunamès, 2-3, ça. Prêtre d'Assura, 2 ou 3 aussi. Et le reste, si je l'ai en un exemplaire pour la collection, ça va. Bon, peut-être 2 BS. Mais bref, on verra ça. Au niveau des super rares, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Qu'est-ce qui m'intéresserait? Dragon Corne Blanche est bien. Soldat Susa aussi. La princesse de fantôme aussi. Le panda Roupaneur. Source de puissance Shinobizo aussi.
Et sinon, la terre embrasée aussi, ça, c'est très intéressant. Je vais allumer un petit peu ma lumière puisque je suis tout sombre. Que la lumière soit. Xingzhen Hu, qui peut être bien. Ainsi que trappe d'adhérence, même si je suis pas sûr de l'utiliser tellement que ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant dans ce paquet? Déjà, on va ouvrir 10 packs. On a l'arrivée des monstres spirits, on a des supports, notamment pour l'archétype, enfin, pour le type machine, pour les types elfes, pour pas mal de choses. Et il y a ma cam qui bug, puisque normalement j'ai un fond vert, mais je n'ai pas mis le fond vert puisque j'avais la flemme. Donc, alors, Typhon de vent, mystique, bon, tout ce qui marche avec les blockchains, je ne suis pas pour, donc c'est nul. Habitation spirit, why not, même si ça me paraît moyen. Et Zeralamente, nouveau monstre rituel, niveau 8, donc si jamais je veux faire un deck rituel niveau 8, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Ah, plein de Kuribo, est-ce que ça va être une super, possiblement une super, première super de Valkyrie's Rage. Capture de magie. Défausser une carte pour placer cette carte dans la chaîne en réponse à la guerre magique que vous avez activée lorsque cette carte est... Cette dernière est envoyée de sculpture, vous voyez dans la main de son propriétaire, ok. Abar Uchioni. Peut-être une combo avec la capacité de Joey. Et oh, source de puissance Shinobizo. Ça c'est bien. Ça c'est bien pour les decks spirit. Donc on est content. On est content. Ah, on a quelques écritures derrière. Et après la bataille, fortune accumulée et encore Zeralamente. Allez, bon, ça niveau rare et commune, on va avoir de quoi faire. Soin en chaîne. Abarocioni, épée nombreux femmes soldats. On a beaucoup de monstres à sacrifice qui sont ajoutés dans cette extension. Je pense que c'est lié à la bourse des âmes. Sinon, il n'y aurait pas de ça. Gradius, bon, Gradius avec tous ses poteaux machines sont arrivés. Même si je trouve c'est pas assez bon. C'est pas assez bon pour faire un bon deck. Cauchemar de Thèbes. Ouais. Effet difficile à placer. Mais par contre, le corbeau rituel dans un deck rituel ténèbres est très intéressant. Donc ça, je veux bien. Ça, je prends volontiers. Et... Oh. Ça brille. Donc, serment de l'épée Garma. Laser Cyclone. Et... Oh! Princesse des fantômes. Princesse des fantômes. Quel est l'effet de cette carte? Si cette carte face recto est détruite tant qu'elle est dans une zone monde... Bon, je vais expliquer puisque l'effet est long. Donc en fait, Princesse des fantômes, si elle est détruite, elle est envoyée dans votre zone carte magie ou piège. Et à chaque standby phase, vous placez un compteur citrouille sur cette carte. Et les monstres adverses, donc chaque standby phase de vous ou de votre adversaire. Et de votre adversaire. Et du coup, les monstres adverses perdent 100 points d'attaque pour chaque compteur citrouille sur cette carte. Je l'ai rencontré pas mal de fois sur le multijoueur. Non, une, je crois une, deux fois. Et cette carte est très très chiante. Et c'est un anti-deck dinosaure, par exemple. Et ça, c'est très intéressant à voir. Et en plus, elle est brillante. Et donc, je suis content. Et on a plein de Kuribo. Bon, les Kuribo sont arrivés en retard. Hein, je veux pas dire... la super rare était avant. Capture de magie. Mais capture de magie, ils me l'ont mis en nouvelle. Même si, normalement, c'est pas ça. Oh, oh, oh. Peut-être une ultra. Oh, une ultra. Je pense une ultra. Je pense que c'est une ultra. Alors, zone chaos. Zone chaos, je suis ouais, moyen. Moyen chaud pour ça. Épée de Kutsanagi. Et... Oh, attendez. Alors, c'est une magie. Sûrement ultra rare. Donc, de toute façon, les deux cartes magie ultra rare sont géniales. Bourse des âmes est génial à mettre dans le deck magicien. Et... Enfin, ouais, je pense, oui, ça peut aller dans le deck magicien pour faciliter encore plus l'invocation de la magicienne des ténèbres, mais dans des decks à sacrifice, c'est bien. Alors, et sinon, le seigneur de l'extermination, qui est aussi très intéressant contre les cartes pièges. Et c'est le seigneur de l'extermination, et ça, je suis très content. Sélectionner et détruisez. Alors, sélectionner, détruisez et retirez du jeu une carte magie ou piège face verso. Si c'est une carte piège, les deux joueurs doivent retirer du jeu tous les exemplaires de cette carte depuis leur deck. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien, on peut se débarrasser de tous les exemplaires de mur miroir de chez l'adversaire. Ça c'est bien. Allez, juste une feinte. Un joueur ne peut pas cibler de monstre face verso pour une attaque durant ce tour, ok. Clone éphémère et Gru Shinobizo, un autre monstre spirit. Donc ça c'est intéressant. Et on a encore un Kuribo là. Guérison de monstre, voile photon, moustique magnétique. Ok. Anti-machine, je crois.
Donc là, on a fait une bonne ouverture. On a eu une ultra, deux super. Si je me trompe pas, voilà, une ultra, deux super. Donc c'est très très bien. Moi, je suis très content. Hop, 10 packs. Allez, on ouvre, on va un petit peu plus vite. Puisque je pense que là, ça fait un petit moment que je parlote. Allez. Alors, suite royale, ok. Mercure, agent de la sagesse, ok. Et Gru, Shinobizo. Ok. Ah, peut-être une super rare, encore une fois. Juste une feinte. Appel de la vanité. Aïe, tailleur de l'indécis. Sélectionnez une carte magie d'équipement, transférez là sur une nouvelle cible valide. Ça peut être... moyen. Je vois pas trop comment je peux placer ça. Valkyrie's Rage. Enfin, c'est très... Si l'adversaire joue des cartes d'équipement et c'est pas tout le temps sûr. Alors, vaisseau spatial Lord British, ok. Corbeau à fouet est intéressant puisqu'avec Yami, il a ses monstres à 1850. Voilà, dans les decks Yami, ça peut être bien. Oh, et deuxième exemplaire de Princesse des Fantômes. Là, je suis content. Voilà. Alors, Kribo. Créature de la buée, nouveau monstre d'assez haut niveau. Abacus Fatal. En fait, c'est l'équivalent de Guilford l'éclair, mais pour les cartes magie et pièges. Alors, Crâne Chevalier numéro 2. Si vous invoquez par invocation sacrifice un monstre de type démon sacrifiant, ce monstre fait l'invocation spéciale d'un Crâne Chevalier numéro 2 de votre deck. Mélangez ensuite votre deck. C'est intéressant. Capture de magie, épée Garma, nouveau monstre de niveau 7, rituel, ténèbres, guerrier, ok. Avant, éclaireur de héros. Éclaireur de héros, je le voulais, puisque il me le faut dans mon deck Meul. Eh oui, ce monstre est assez fort en deck Meul. Laser Cyclone, voile photon et imitateur des ténèbres, level 3, ok. Ok, bon, les imitateurs des ténèbres sont pas ouf selon moi, mais bon. Disparaître, retirer du jeu une carte du cimetière de votre adversaire. Oui, on a pas mal la mécanique de retirer du jeu qui arrive bien dans cette extension. Et c'est du coup intéressant, cette mécanique-là. Alors, Ange 07, lorsque cette carte est invoquée par invocation sacrifice, elle gagne les effets suivants. Les monstres à effet ne peuvent pas être activés. Les effets de monstres à effet ne sont pas activés. Ça, c'est bien. Trion, triple étoile. Ok, soldat lumineux, encore un monstre à sacrifice. Et Tenshin, cette carte gagne 400 points d'attaque pour chaque monstre de niveau 2 face recto que vous contrôlez. Donc lui compris, donc ça, il a de base 1200. Et si vous avez deux autres monstres de niveau 2, il a 2000. Moyen. C'est très moyen cette carte. C'est selon la situation quoi. Annuler les effets de toutes les cartes et l'équipement. Inaba, le lapin blanc, un monstre plus spirit, très sympa, donc voilà. Et le corbeau rituel, intéressant, ça j'aime bien. Et les Kribo. Allez, Kuribo, donnez-moi une belle super rare ou deux de super rares. Cauchemar de Thèbes et Hugs, le guerrier Puma. Ok. Bon après, je suis pas trop fan de tous les monstres à un sacrifice et qui s'invoquent... Enfin, à un sacrifice et avec une attaque pas ouf. Donc on a eu une super rare pour compenser dans cette dizaine. Donc bon, on est quand même... voilà, on a une deuxième citrouille, princesse citrouille, donc ça c'est bien. Alors, ne faites pas attention au bug de la caméra. Désarmement, donc c'est les gens qui se foutent à poil, ça c'est bien. Capture de magie, ananas explosif. Lorsque vous avez un ananas, cette carte est nulle. Ah, pas d'effet autour, hein, bien sûr. Les Kuribos sont suffisants. Serment de l'épée de Garma. Orbe de Yasaka. Ouais. Et ananas explosif. Ok, on m'a mis tous les Kuribos pour un ananas. Hein, je veux dire. Ah, peut-être. Ouh, une super rare. Super rare niveau monstre. Donc j'espère que ça va être le dragon corne blanche. Ouais, c'est ça. Balle d'aiguille. Vous pouvez payer 2000 life points pour infliger 1000 de points de dégâts à votre adversaire. Oui, c'est nul. Appel de la vidéo, dragon corne blanche. Et voilà, ça c'est... Je suis content puisque c'est quand même l'un des meilleurs monstres à un seul sacrifice. Puisque déjà de base, il a 2200. Ça fait partie des meilleurs monstres à un sacrifice du jeu. Je dis bien un des meilleurs, hein, puisqu'il y en a des meilleurs. Mais il peut avoir une attaque qui augmente selon le nombre de cartes magiques qu'on peut retirer du cimetière de l'adversaire. Donc ça peut être bien. Il peut commencer à 2500, 2800, 3100. Bref, il peut aller jusqu'à 3700 et ça c'est bien.
Très bonne super rare. Très très bonne super rare. Créature de la buée, capture de piège et Teva. Lorsque cette carte est invoquée avec succès par invocation sacrifice, votre adversaire ne peut pas déclarer d'attaque durant son prochain tour. Mouais. Mouais. Invitation spirit, rituel de Zera. Bah tiens, oh, on n'avait pas le rituel, d'accord, bah c'est bien. Et crâne chevalier numéro 2. Allez, allez, on veut de la, on veut l'ultra, on veut la super, on veut contrat avec les abysses. Non. On veut la bourse des âmes. On veut la bourse des âmes, appel de la vanité, orbe de Yasaka et Teva. Teva, Teva, Teva. Invitation spirit, current mania, la bonne invitation du jugement dernier. Donc en tout cas, je suis... Ah, à chaque fois, j'allais lancer une discussion, mais on a peut-être une ultra ici. Ou une super, vu qu'il n'y a pas eu le bam, mais bon. L'on est le géant, monstre spirit, un sacrifice, résurrection de chakra. Pour invoquer chakra, ok. Et trappe d'adhérence. Trappe d'adhérence est une carte assez intéressante puisque lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres, divisé par deux l'attaque d'origine de ce monstre, donc ça peut être bien si l'adversaire en invoque plusieurs en même temps, même si sur le jeu je suis pas sûr qu'on puisse faire ça. En plus, pas, il n'y a pas trop de cartes qui puissent invoquer plusieurs monstres en même temps. Mais... c'est bien, c'est bien. C'est pas une carte que j'utiliserai dans mes decks, mais ça reste une bonne carte à avoir. Au cas où. Épée Garme, fortune accumulée, force du miroir, des ténèbres, ouais. C'est bof cette force de miroir. Donc on a eu deux super rares qui sont vraiment, franchement pas dégueu. Donc là je suis assez content. Ouais. Je crois que c'est notre quatrième dizaine. Et allez, quatrième dizaine. Allez, une super rare. Super rare. Suite royale. Résurrection de chakra. Et ténèbres absorbantes. C'est pas la meilleure des super rares. Bannissez deux monstres ténèbres depuis votre cimetière. Ajoutez un monstre ténèbre de niveau 4 depuis votre deck à votre main. Je trouve ça bon rien. Encore ça aurait été un monstre ténèbre de niveau 4 ou moins. Ça aurait été beaucoup plus fort. Mais juste un monstre de niveau 4, c'est moyen. Ça rend les cartes moyennes. Mais bon, toujours bon à voir. Pour la collection après la bataille, et soldat lumineux, ouais, ouais, ouais. Ah, une ultra. Allez, là, c'est une ultra, les gars. Puisque là, ça pète. Hein. Appel de la vanité. En plus, c'est une super ou une ultra qui est brillante. Désarmement. Et un dragon aux cornes blanches. Bon, par contre, moi, les super rares, elles vont en double. Elles vont en double, donc voilà. Dragon, ok. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Après, je suis pas sûr d'en utiliser deux dans un seul deck, mais c'est toujours possible, donc c'est toujours bien. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je vous fais, dont je vous fais part, c'est que ne décraftez, donc ne convertissez jamais vos super rares et ultra rares. Même si vous avez 3 exemplaires, vous en utilisez que 2. Moi, je vous conseille de toujours regarder 3 exemplaires. Puisque peut-être qu'un jour, il y aura un deck fort où il faudra justement cette carte-là, en 3 exemplaires. Là, personne se doutait il y a 2 mois qu'il en fallait 3 exemplaires dans un deck et bah du coup pour avoir le 3ème exemplaire vous serez carotte si vous avez décraft cette carte. Alors Valkyrie's Rage, soin en chaîne, libération de très ténèbres, capture de piège, clone éphémère, ok c'était juste ça, merci de m'avoir fait un faux espoir. Corbeau à fouet, abar Ochioni et art spirituel des ténèbres avarice, mouais. En tout cas, je disais tout à l'heure, je suis assez étonné de la parution de ce paquet, hein, qui est arrivé pendant l'event de Akaiba Corp. Je pense que ça aurait été mieux de le faire pop une semaine après. Mais bon, ils ont voulu faire ça. Bon, c'est puisque je préfère avoir une nouveauté chaque semaine, plutôt qu'ils nous sortent... une... toutes les nouveautés pendant une semaine et pendant 2 semaines il n'y a rien, des trucs comme ça, donc ouais. Alors du coup on a le dragon crâne, dragon aux cornes blanches et la ténèbre absorbante, 2 super rares dans cette dizaine de paquets, donc ça c'est bien. Ok. Allez, on est bientôt à la moitié de l'ouverture, après avoir terminé cette dizaine on sera à la moitié. Epegarma. Et corbeau Shinobizo que nous n'avions pas, un autre monstre spirit. Que je trouve très moyen quand même, mais bon. Allez, une ultra. Cette fois-ci, c'est une ultra, les gars.
Monstre noir, c'est du Namess, c'est du Namess. Je vous le dis, il n'y a qu'une seule super rare ou ultra rare qui est en commune, en monstre normal. Donc c'est du Namess, sorcière des ténèbres. Et cette carte est bien. C'est le premier monstre à 1800 points d'attaque sans backfire. Donc les backfire donc, a eu un désavantage de l'utiliser. Ou en tout cas, qui le monstre ne peut pas l'utiliser tout le temps, hein, on va dire. Et par contre, ce qui équilibre un petit peu cette carte, c'est que c'est un monstre elfe. Et du coup, quand vous jouez contre un gars qui utilise Yami, ben, la carte ne sert plus à rien. Enfin, elle a 1600 points d'attaque, donc c'est... Bon, c'est toujours correct. C'est toujours correct, mais ça reste moyen. Alors, impulsion extrême, envoyer deux cartes, ouais. Force du miroir des ténèbres et Tenshin. Ok, ah. Allez, ultra, encore une fois. Allez, une ultra. Rituel de Zera, renaissance miraculeuse, et l'alchimiste dimensionnel, deuxième super rare dans cette dizaine, et ça, c'est juste en souvenir. Après, c'est pas la carte la plus ouf dans les ultra rares, mais on ne sait jamais. Moi, voilà. Pour l'instant, cette carte, je ne vois pas d'utilité à cette carte, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Des fois, au début, je critiquais Mur Miroir, et en fait, c'est l'une des cartes les plus utilisées du jeu, mais bon. Rage bestiale, tous les monstres que vous contrôlez gagnent 200 points d'attaque pour chacun de vos monstres de type bête et de type bête ailé retirés du jeu. À voir, éclaireur de Hiro. C'est toujours pour mon deck... Meule. Alors, corbeau à griffe Galigo. Si vous contrôlez un monstre de type... Un monstre ténèbre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement corbeau à griffe Galigo qu'une fois par tour de cette façon. Donc par exemple, vous avez un monstre ténèbre, vous invoquez le corbeau spécialement et vous pouvez sacrifier deux monstres pour invoquer un autre monstre. Donc ça peut être intéressant, mais bon. Moi, je n'utiliserai pas ça personnellement. Allez, trois Kuribo, vous me donnez une super rare encore une fois. Impact de météore féerique. Si le monstre équipé attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçants à votre adversaire. Ça, c'est bien. Mais moi, je n'utiliserai même pas cette carte. Peut-être selon certains decks. Noyau du chaos, fauchon B, bêta. Soldat lumineux, ok. Valkyrie's Rage, balle d'aiguille, la jeune fille malheureuse. Regardez, elle a vraiment une tête de malheureuse, mais on s'en fout de sa gueule. Alors, fauchon B, bêta. Capture de piège et Mercure, agent de la sagesse, ok. Je vais avoir pas mal de cartes à décraft, hein, par contre, après cette ouverture. Du coup, deux ultras dans ce paquet, donc on est très content. Qu'est-ce qui nous manque? On a eu trois ultras sur le début. J'aimerais bien une délivrance de Dimension des Ténèbres, j'aimerais bien Bourse des Âmes, j'aimerais bien le Prêtre d'Asura. J'aimerais bien le Démon Méga Cyber, qui est très bien aussi. Voilà, c'est ces quatre ultra rares que j'aimerais avoir en priorité. Quoique peut-être que la colère divine peut être intéressante des fois. Après dans les super rares, il me reste encore le soldat Souza. Il me faudrait un panda Roupaneur pour mon deck farm. Et après il me faudrait des miroirs de Yata, l'éther embrasé, l'Exingen Hu et source de puissance Shinobizo. Ok, allez, on va essayer d'avoir ça. Hop, acheté. Allez, Kuribo! Allez, porte-moi chance, chakra! Oh, d'ailleurs, on ne l'avait pas. Niveau 7, chakra, 2450. Allez, on pourra faire un deck... démon rituel, ténèbres de niveau 7, ça va être intéressant. Le chevalier fantôme du chacal. Le chacal. Épée Garma après la bataille, Teva. D'ailleurs, j'aurais dû regarder ce qu'on n'a pas encore en rare ou en commune. Les vacances de l'empereur, voile des ténèbres, on n'avait pas. Bon, je trouve pas ça super jouable, mais on ne sait jamais, ça peut être intéressant. On ne sait jamais. Orbe de Yasaka, je crois. Détruisez tous les monstres de face recto de type machine type sur le terrain. C'est bien, ils ont... Cette illustration depuis les ténèbres fantômes, ils ne l'ont toujours pas changé. Mais bon, cette description, c'est des monstres de type machine type. Allez, une super rare. Qu'est-ce qu'on avait en super, en piège? On voit Xinzen Hu. Intéressant, ça je veux bien. Ça je le prends volontiers. Capture de piège, Gradius. Le chevalier fantôme du chacal, ouais. Ah!
Oh, ça explose. Ça explose. Allez. Créature de la buée. Allez, je veux mon raton. Mon raton. Mon raton. Mon raton. Mon raton. Cyber Marauder. Ok, c'est... Je sais pas quoi en faire de cette carte. Hein. Je sais vraiment pas quoi en faire. Rituel de Zera, vaisseau spatial Lord British, éclaireur de héros. Ok, éclaireur de héros. Elle est super. Non. Désarmement. Soldat lumineux en brillante. Juste une feinte. Curan, magicienne d'ébène, imitateur des ténèbres, level 1. Ok, bon. On a eu une, deux super. Bon, ça reste intéressant. Alors, qu'est-ce que nous n'avons pas encore dans les rares? On n'a pas encore Méphiste. On n'a pas encore le sorcier masqué. On n'a pas encore le repère du crâne. On n'a pas encore loup à deux têtes. On n'a pas encore Piquero. On n'a pas encore l'option de Gradius. Et nous n'avons pas encore les graines de rose démoniaque. Ok. Allez, on remonte tout en haut. Et on va acheter 10 packs. Encore une fois. Allez, Kribo. Kribo, Gradius, soins enchaînés, imitateur des ténèbres, level 3. Bon, par contre, Dynamess, dans le PVE, cette carte est extrêmement forte. Hein. Par contre, c'est dans le PVP, quand vous avez des adversaires qui peuvent jouer Yami, c'est très moyen. Mais ça reste une très bonne carte. 1800 points d'attaque, sans sacrifice, sans aucun backfire, c'est super fort. Allez, une ultra. Ultra, ça va être une super je pense. Loup à deux têtes, rage bestiale, et source le puissant Shinobizo, deuxième exemplaire, allez. Allez. Valkyrie's Rage, les vacances de l'empereur, Inaba le lapin blanc, et le repère du crâne que nous n'avions pas, et ça c'est bien. Allez, une super typhon, Inaba, imitateur, bah non. Allez, courez bon. Là c'est l'ultra, c'est la bourse des âmes. Bourse des âmes. Non, qu'est-ce qui restait en... délivrance de la dimension des ténèbres. Colère divine. Ah, colère divine. Ah, je dis pas non. Ça, c'est bien. Voile photon, Abacus fatal et Mercure, un jour de la sagesse. Allez, tout plein de Kuribo, Abacus fatal, Méphiste, le général abominable que nous n'avions pas, et ça, c'est bien. Donc là, on a eu une ultra, je crois. Une ultra, une super. Oui, une ultra, une super. Ok. Ça va, on a une bonne moyenne quand même d'une ultra, une super tous les paquets. Toutes les dizaines. Elle est encore 3 dizaines. Allez, Kribo. Balle d'aiguille, soin en chaîne, imitateur des ténèbres. Ok. Alors là, ça a fait des effets. Là, ça va être un Zera la menthe, vous allez voir. Option de Gradius que nous n'avions pas. Et Zera la menthe. 2800, oh, ça reste correct en monstre rituel. Impulsion extrême, ange 07 et Gru Shinobizo. Ok. Allez, noyau du chaos, Curan, le repère du crâne. Allez, une super ultra. Zone chaos. Corbeau à fouet et... Jin Celeste and Rise. Bon, ça pour l'instant, c'est pas très jouable. C'est pas très jouable, mais quand... je crois que c'est... C'est Bakura. C'est Bakura quand il sortira normalement. Un jour, eh bien, il envoie... L'un des skills de Bakura, c'est d'envoyer des monstres... une fois par tour, d'envoyer un monstre de son deck au cimetière. Et donc, Jin Celeste and Rise sera plus fort avec Bakura. Mais pour l'instant, je le trouve assez difficilement jouable dans la méta actuelle. Avec les cartes que l'on a, l'on est le géant, impulsion extrême et abomination du jugement dernier. Ok, allez les Kuribo. Hotohime, Fauchon B et Teva. Bon les Kuribo, tu me portes chance. Porte-moi chance, Gradius, Typhon le vent devant Mystique, Voile des Ténèbres. Il me porte pas chance là, et option de Gradius, impulsion extrême, impact de météore féerique. Ah. Une petite brillante. Zera la menthe. C'est pas une brillante. Ah, c'est un triple rare ou deux rares et... C'est un paquet avec triple rare. Donc allez, ok. Ok, ça va nous faire des gold. Donc on a eu une seule ultra sur le paquet. Ok. Allez, il nous reste... Ah non, ok. Je me suis dit, mais attendez,
Dunamis, je l'ai eu. Pourquoi ils me le mettent comme ça? Pourquoi Bourse des âmes, ils me mettent que je l'ai eu? Non, en fait, il faut que je désactive comme ça. Voilà, là. Allez. Ouh. Oh. Je me suis dit, mais qu'est-ce... What the fuck, man? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, Bourse des âmes. Moi, je veux la Bourse des âmes. Valkyrie's Rage. Allez, Épée Garma. Invitation Spirit. Et Lutin Onirique, que nous n'avions pas. Allez, 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 allez. Corbeau à fouet. Zone KO et... Lutin Onirique. Oh, putain de lutin de merde. Graine de rose démoniaque que nous n'avions pas, option de Gradus et clone éphémère. Allez, allez. Là, c'est une belle super rare, une ultra rare, je dirais même. Ce ne sera pas une ultra. Ce ne sera pas Bourse des âmes en tout cas. C'est un mode l'épée Garma. Ouh, et le prêtre d'Asura. Bon, malgré que ce soit un monstre spirit qui retourne dans le dans la main à la fin du tour, eh bien, cette carte peut attaquer une fois chaque monstre contrôlé par l'adversaire, donc ça reste... assez fort, ça reste assez fort. Et un très bon monstre spirit. Chez les monstres spirit, c'est bien. Une super rare, Long Nez le géant, Typhon le vent mystique, et Axe. Ok, donc je sais pas pourquoi la gueule d'insecte raga a pop. Mais bon, créature de la buée, zone chaos, le repère du crâne. Magicienne, Picaro. Picaro, ok. Valkyrie's Rage, allez, allez. Allez, porte-moi bonheur, magicienne de blanche Piquirou, en 07. Bourse des âmes, bourse des âmes. Ça ne veut pas, hein. Ça ne veut pas. Ah, bah, bien sûr, Gruche et le biseau. Oh, ta gueule, le Kuribo. Viens avec tes potes. Ah. Donc, une ultra sur le paquet. Une ultra. Ok, on a quand même eu pas mal d'ultra. On a eu quand même 6 ultras sur la première moitié. Plus de la moitié, donc ça, c'est bien. Bon. Il nous manque pas mal de cartes. Il nous manque le démon méga cyber, qui est intéressant. BES grand vaisseau, ça reste assez moyen. C'est pas ce qui me tente le plus pour l'instant. Bourse des âmes, je le veux. Toutes les ultras pour... Bon, il nous faut toutes les ultras dans la dernière dizaine. Ouais, c'est la dernière dizaine de la vidéo. Il me faudrait les miroirs de Yata, il me faudrait Souza, il me faudrait un panda. C'est pas un panda, c'est un raton laveur, bordel de merde. Oui, bon, ils ont mis un panda. Il me faudrait les terres embrasées. Ouais, voilà, allez. Allez, vous savez quoi? On va changer de personnage. Je pense que ça nous portera bonheur. Hop, allez, encore un autre. De toute façon, ils sont tous niveau 30. On va prendre Yugi, puisque lui il a l'âme des cartes. Et vous allez voir que le premier paquet va lui drop une super ou une ultra. Putain de Kuribo. Ah non. Rage bestiale, rituel de Zera et ananas. Ouais, l'âme des cartes, ananas. Un putain d'ananas explosif. Sorcier masqué que nous n'avions pas. Et Axe, le guerrier Puma. Valkyrie's Rage, désarmement. Inaba, pénombre, femme soldat. Ouais. Allez, une super. Au moins deux super. Je veux une super et une ultra ou deux super dans cette ouverture. Ou deux ultra, ça c'est ouf. Ou plus, hein, si vous voulez, mais deux. Deux. Cauchemar de Thèbes. Abacus fatal, clone éphémère. Ah. Ouh, peut-être pas. Auto-immé, désarmement et mercure. Oh. Je sens que ça va être une de la pire dizaine. Plus jamais je fais d'ouverture avec Yugi, hein, puisque lui, là c'est terrible. Ah! Ah, au moins, voilà, c'est pas trop horrible. C'est une carte magie. Ah, c'est terre embrasée, peut-être. Peut-être terre embrasée. Oh! Bourse des âmes! Merci Yugi, bourse des âmes. Allez, maintenant tu mets terre embrasée pour mon deck parasite pour être bien chiant. Oh, dommage. Bon, l'avant-dernier paquet nous a donné la bourse des âmes, donc je suis content. Je suis content, je ne vais pas m'en plaindre. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette grosse ouverture de 100 boosters de Valkyrie's Rage. En tout cas, on a fait une bonne ouverture. Eh. On a fait une bonne ouverture puisque on a ouvert 10 super rares
et 7 ultra. Quand même là, je trouve qu'on n'est pas trop dégueu. On n'est pas trop dégueu sur ce point là. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve bientôt pour faire pour une vidéo où j'évalue un petit peu ce qui est bien ou pas bien dans Valkyrie's Rage. Et sur ce, je vous retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde.